Et ça YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve en pleine montée déjà. On est aussi sur l'enduro comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui on est à Tours. Donc j'ai profité de ces quelques moments où il ne pleut pas pour sortir l'enduro, faire un petit street ride en enduro. Vu qu'à Tours il y a beaucoup de marches, de choses comme ça, donc l'enduro sera parfait. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau casque, un POC Tectal blanc. Il est magnifique. Puis je trouve qu'il me va bien. Il me fait une belle tête, j'aime bien. Et donc voilà, donc on est parti directement pour aller explorer les rues de Tours. Désolé, je suis essoufflé. C'est parti. Wouh. Wouh, go. On va faire un petit tour au skatepark. Faire du trial là quand je vois le skatepark, donc on va directement changer de vélo. Let's go! Et hop, on est de retour sur le street. Donc comme vous l'avez vu, on est de retour au skatepark avec le street. En fait tout à l'heure avec mon VTT, j'ai eu envie de faire du street, donc je me suis dit bah vas-y let's go, on rentre à la maison, on prend le street et on revient. On est le même jour, on doit être une demi-heure plus tard. Et maintenant il fait beau, il y a un petit soleil donc c'est cool. Aussi désolé, j'ai pas pris mes deux casques, donc j'en ai pris qu'un seul, c'est le casque de VTT, mon nouveau casque, du coup le POC Tectal. Donc vous allez me voir faire du street avec mon POC Tectal, mais c'est pas très grave, il est beau quand même. Et donc c'est parti, on va arriver un petit peu ce spot, on va essayer de trouver de nouvelles lignes. C'est parti. We'll be right back.
Maintenant on va essayer une variation du Fujam Whip Drop, c'est à dire qu'au lieu de mettre un seul pied sur la roue, on met les deux pieds sur la roue. C'est sympa. On va voir si j'arrive à le mettre en drop. Parti. Le vent s'est levé aussi, donc c'est chaud de tenir en équilibre vu qu'il y a beaucoup de vent. J'espère que vous m'entendez bien d'ailleurs. Bon, maintenant que les petits Fujam Whip sont faits, j'aimerais bien essayer un gros Fujam Whip. Je crois que ce sera mon plus gros que j'ai jamais fait. Parce que c'est sur ce module. Fujam Whip. Hauteur de téton, ça serait cool. Je vais vous poser là. On va essayer. Go! Bon, comme vous l'avez vu, j'ai réussi le gros Fujam Whip Drop, donc ça c'est cool, mais vous l'avez sûrement vu, je suis atterri les deux roues en même temps assez brutalement et je me suis vraiment détruit une cheville, là j'ai super mal, donc fait chier. Dans tous les cas, il faut que je rentre parce qu'il est déjà 13h et on va devoir manger. Donc, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ce mélange de VTT et de street trail vous a plu, même si le street trail c'était pas très long. Je sais pas trop ce que ça va donner, vous savez, je teste. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mettez un like si vous avez kiffé, abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et puis moi je vous dis à la prochaine. A plus.